Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, sur l'épisode de Robocraft. Donc toujours en mode, enfin maintenant en mode Halloween. Bon bah écoutez, tant mieux pour eux. J'ai modifié certaines choses au petit vaisseau, notre petit vaisseau, là tout de suite maintenant, j'ai pas même fait d'essai. J'ai enlevé les hélices parce que je pense que c'était inutile de faire ça. J'ai gardé cependant, vous voyez, les boosters pour les sauts et des boosters sur les côtés pour pouvoir me propulser. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Pour ce qui est des pattes, je les ai rentrées un petit peu, vous voyez. On verra si c'est vraiment utile ou pas. Je les ai donc aussi baissées un petit peu, ce qui est peut-être ça aussi utile. Surtout au niveau de la garde au sol. Pour ce qui est de l'hélicoptère, je ne sais pas ce que je vais faire de ces deux rotor blades là, on verra ensuite. Si vous avez toujours des builds, donc des builds hélicoptères à me proposer, pourquoi pas des builds SMG hélicoptères, ça m'intéresse. Je serais ravi de pouvoir faire des essais. Voilà, l'annonce est passée, maintenant on va partir en Battle Arena avec ce vaisseau. Nous voilà partis. Ouh. Oula, il y a du point. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des codes à rajouter aujourd'hui. Bon bah je les ai pas mis. Donc, je pense à les rajouter. Ceux qui jouent au jeu les ont reçus par mail au passage. Nous voilà partis dans 10 secondes. Alors. Et donc normalement, si je ne me trompe pas, je peux sauter, voilà. Et ça ne me propulse plus. Ah, ça le faisait avant, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis. Ça me propulse cependant toujours en l'air. Donc ça, c'est cool. J'ai l'impression que là, on n'a pas des masses, en fait, à propulser. Oh, t'es sérieux? J'aurais peut-être dû attendre, peut-être pas été assez patient. Je ne sais pas. Voilà. Ah zut. What? Je touche, mais je fais pas assez de dégâts pour passer à travers les boucliers. Encore. Dommage. Oula. C'est bête, hein? Ce que t'as fait n'aura strictement servi à rien. Alors, je partirai bien sur un Walker Hill, chers amis. Il sait précisément où se mettre. Par contre, c'est pas en défendant qu'on va y arriver. What? Alors c'est peut-être un petit lag, je sais pas. Ah bah on a plus rien, c'est cool. What? Oh mais regardez ça. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de guéguerre par là. Oula. D'accord, bon bah écoutez. C'est raté. Bla. Pourtant il est solide, hein. Il est solide. Il est carrément solide. Tiens, c'est quoi ce petit machin qu'il a sur lui? Aucune idée.
What? Si on pouvait aller chercher... Mais putain, mais c'est chiant ces boules là. What? Mais... Oh putain! Voilà, merci. C'est une violence. En plus, il y a des gens qui se déconnectent. Allons-y. Oui, c'est ça qui me dérange le plus. Je vise tout droit, regardez. Il arrive à me dire comme c'est celui de droite. Voilà. Raté. Ah mince, le clic droit qui a lâché. Ah. Cette violence. Cette violence, chers amis. C'est un mur, regardez, c'est un mur qui approche. C'est un mur du jeu qui approche. Hop, zéro. Comme ça, c'est clair. Mais enfin, c'est presque une habitude maintenant de perdre dans ce jeu. Alors pourquoi t'avances plus? Et à nouveau, nous avons tout perdu. Non. On la joue jusqu'au bout. Certes, il est under attack. Non, on peut encore y arriver. Enfin, on peut encore faire des dégâts. T'es sérieux là? T'es sérieux là? Les SMG en mouvement sont plus précises, quoi. M'en fous, je vais avoir fait quelque chose. Bon, déjà, ça c'est pas mal, même si je crois qu'il y en a encore un. Ouais, du coup, il y en a encore un. Oh non, t'es sérieux, un heal? Un heal TX? Je suis plus à ça près maintenant. Dégage. Ah bah j'ai plus qu'un canon. Bah voilà, il a été précis. Bien joué. Par contre, toi t'as joué tactique, c'est bien. Bon, par contre, je dirais pas que ton. Que ton équipement est génial quoi. Mais ça, c'est fragile comme tout normalement. C'est du 1 cube. Il a juste mis des cubes TX en fait dessous. Pour pouvoir. Oh la vache, c'est pas si bête en fait. Allez les mecs. Allez les bleus, on est tous avec vous. Tu devrais me remettre encore plus près des spawns, c'est vraiment génial. Je spawn devant un canon. Hop. Dégage. Oh. Dégage. Oh putain.
Nope. J'ai pas compris comment j'ai pu le détruire là. Franchement, j'ai pas compris. Hop! Où est-ce qu'il est? D'accord, derrière moi. Ça m'étonne qu'à moitié, mais c'est pas grave. Alors. On va peut-être passer à d'autres genres de véhicules aussi, je sais pas. Hein. Non, j'ai pas le temps de le tuer. Génial! Absolument génial. Bon. Je suis le... Putain, je suis le meilleur joueur de la partie, c'est triste. Je me suis senti pourtant très inutile. Wouh. Génial. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Donc, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez poster dans les commentaires de chaque épisode, d'ailleurs même, des liens vers Robocraft Garage, donc le site de construction, enfin, de partage des différentes constructions de Robocraft. Vous pouvez voir, donc au passage, j'ai pas pensé à en parler. Oui, au revoir, merci. Les têtes, à mon avis, des développeurs. Hein. Quand même des têtes de fous, hein. Faut reconnaître que... Voilà. Je suis pas allé voir, d'ailleurs, si certains d'entre vous ont voulu m'aider un petit peu. Non, bande de saligo. Ça, c'est des points, tout ça, c'est des trucs. 1 350 000, j'ai pas ça à foutre. Je dois avoir de quoi, par contre, m'acheter. Je vais y arriver, hop, voilà. Une jambe, c'était C. J'ai de quoi m'en acheter une, celle-là coûte 1 871 000, d'accord. J'ai de quoi m'en acheter une, c'est parfait. Bah on va s'en acheter une jambe. Et j'avais envie de voir au niveau de l'hardware, si j'ai donc des canons T10, j'en ai. Donc il est possible que je fasse un walker peut-être T10. Un mecha walker, donc pas ceux-là mais les autres. Donc on va les appeler les jumpers, tiens voilà. Un jumper T10 avec des SMG, ça pourrait être cool peut-être. On verra bien. Quoi qu'il en soit, nous on va quand même refaire un petit match, on va faire un team deathmatch. On va bien voir s'il est efficace, le MK10 Titan. Il est beau. Il est sublime. Il est vraiment sublime, il y a moyen de s'inspirer de tout ça. Alors. C'est parti. A mon avis, François et Sylvie doivent être des Français, donc bonjour à vous les Français. Dans l'équipe adverse, je ne vois pas de personne qui pourrait être potentiellement française. What? Et ça tient debout, ça. Ok, pourquoi pas. Ce serait bien de spot. C'est génial, je vois pas du tout où ça tire en fait. Raté. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. T'es sérieux là?
C'est un mini-hélicoptère, pourquoi pas. Ok. Donc déjà ça c'est fait. What? Voilà. Oui, il essaie de rendre l'équipe ennemie inefficace. Ce n'est pas une mince affaire. Ah, par contre, ça faut pas le faire. Est-ce qu'ils auraient un heal ? Aïe. Hop. Essayons de faire le crabe parce que mes contrôles sont inversés d'un seul coup. En fait, maintenant, il passe comme ça. Bon, bah voilà, c'est fini. Ah, est-ce qu'ils avaient un heal? Je serais curieux de savoir. Ah, ils avaient peut-être un heal, en fait. D'accord. Ouais, Vicro, voilà. Voilà pourquoi ce qu'on faisait était inutile. C'est presque dommage parce qu'un heal dans une partie de méga, si l'autre équipe n'en a pas, c'est vraiment trop viable. Parce que dans, au final, dans une partie avec des méga comme ça, c'est viser l'armement qui est primé. Et si l'armement peut être ressuscité, c'est pas... Enfin oui, parce que oui, ce que je dis ressuscité peut être construit entre guillemets. C'est pas honnête, je trouve. Bon, bah c'est un échec. Back to Mothership. Est-ce qu'on peut s'en faire une petite? Oui, on va s'en refaire une petite. Allez. Même s'il est possible que ce vaisseau passe à la casse. Alors, combien ça rapporte, là? Ouh, 80 000. Intéressant. On va s'en refaire une petite, alors. Mais celui-là, il est joli. Faut pas dire le contraire. Intéressant. Pas de méga? D'accord. Même si on voit du méga un peu partout. Boys and girls of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see, this is our town of Halloween. On m'envoie des messages. Mon machin s'est complètement bloqué du coup. Allez, avance. Il est descendu en flèche. Hop. Le problème c'est que je vois pas s'ils sont vraiment là ou s'ils ne le sont pas. J'estime qu'ils ne le sont pas. Bon. Comment dire, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir du tout. Bon. Et ben, ça met dans l'ambiance. Hop. Alors, 30 000, c'est tout.
Parce que c'était un petit peu violent comme truc. C'était un petit peu violent. Je pense qu'on va se faire un Walker SMG pour le prochain, ou un truc comme ça, je verrai bien. Quant à moi les amis, bah je pense que je vais aller rentrer le code que je vais vous mettre, tiens pour la peine, dans l'épisode. Même si je pense qu'au moment où vous le verrez, il ne sera plus efficace. Quoique je ne sais pas. Alors, H... Ah, faut que je l'écrive. H-A-L-L-O-W Fest-67-455. Et voilà. Voilà, voilà. Donc 3D de premium en plus. Donc on est passé de 107 à 110. Quant à moi les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode un petit peu violent sur la fin. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, à le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure et merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne. Salut les gens.